De Flathead pour les Wallabies, je vous ai mis la position estimée des artilleries. Bon, phase de K50, c'était bien Flappy, hein. C'était très bien Flappy. Enfin, c'est très Pardon? bien pour l'instant. Je sais pas s'il reste encore du de la mission. S'il reste encore? De la mission pour K50. Bah après ça commence à faire loin, mais si tu ravitailles sur le Tarawa par exemple, tu peux. Ouais non, ça va faire loin quand même. Directement aller vers Sochi, tout ça. Ouais si tu veux, mais de toute façon, le principe c'était de pas te touiller sur la côte. Je sais pas combien de convois vous avez croisé, mais. Deux seulement pour l'instant. Ou sinon, tu te poses sur un Tarawa et tu te passes en 25T. Hein. Non, tu peux faire ça si tu veux. Ouais. Non, je vais rester en. Bah là, après, on approche les 2 heures de mission, on a commencé à 22 h. Hein. Ouais, à peu près. Ouais, donc. Tu peux te poser et puis arrêter là. Hein. Sauf si tu veux reprendre, mais si tu veux reprendre, ouais, je te conseille plutôt un avion qu'un hélico là. Ou alors si tu as contrôle au sol. Les mains ravitaillées, puis voilà. Tu fais quoi toi Nico? Moi je redécolle. Ça marche. Bon, il me reste encore des roquettes. Un Vicre, mais j'arrive pas à l'utiliser. Je sais pas trop pourquoi. Une avarie. Il me reste les roquettes. Il me reste 13 bandes de HE. Et il me reste les AP. Donc, voilà. Ah bah ils ont trouvé les artilles, ça y est. Oh là là. Alors, on va prendre le dernier Tarawa, le dernier arrière plutôt. Voilà, je démarre au plus loin. Alors, Flappy, je sais pas si c'est volontaire, mais il n'y a aucun arrière qui a le même emport. Ah bon? Ouais. Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, il y a deux emports différents. Il est censé y avoir combien de convois en fait? Sur la route, je dirais bien au moins 3, sinon peut-être 5, mais je suis pas certain. Et comme il y en a pas mal qui étaient déjà arrivés à tout abser au début, il y a des chances qu'ils soient déjà passés.
En même temps, je vois qu'on a ouais, on a deux chars, on a deux T-72 à nous qui passent la route là, donc Ok, j'arrive. Ah, t'es pas loin d'eux en fait, Pilou, hein. Ils sont parallèles à toi sur la route là. Les T-72 friendly. De Flappy pour les Meerkats, on approche de 2 heures de mission. Je pense qu'il n'y aura plus énormément de contacts ennemis par la suite. Donc si vous voulez, vous pouvez ravitailler à MyCop et repartir avec des bombes. Et du SU-25. Oui, il y a du, comme du partisan, il y a du 29 et j'ai rajouté et du SU-25. Voilà, il y a encore En de ennemi, vous l'activité. avez des contacts ennemis, d'accord, très bien. Affirme. Ouais, Nico, je suis à mi-course entre MyCop et Ok, Sukumi. je viens de rendre Chris, en fait j'étais assez lourd et du coup il fallait réellement tout le pont du Tarawa. Donc après forcément de multiples tentatives infructueuses. Enfin, une tentative, deux tentatives infructueuses. Je viens de redécoller. Ok. Tout cas, l'eau, ça fond vraiment vite. Meerkat, Wallaby, Spike 29. De Flappy pour les Meerkats, je suis en chemin entre MyCop et Sukumi et je suis éclairé depuis l'est. Loqué en fait même. J'ai un lock 2000 sur moi. En Harry. Ok, Flappy, je ne suis ni éclairé ni loqué à présent. Plus de lock 2000 de mon côté. Ah, c'était C'était Warpick pour un check. peut-être copie, merci. Ouh, le soleil va se coucher. Oui. Est-ce que quelqu'un sait si le bug des pistes qui n'étaient pas éclairées a été corrigé sur la stable? Je ne pense pas. Il va falloir se poser rapidement alors. Je pense que ça a dû être corrigé sur la bêta, mais vu que sur la stab, ça fait très longtemps. Ouais. Ça, effectivement, après, on pourrait faire de la mise en nuit aussi. Ouais, tu penses que c'est corrigé sur la bêta? Je pense. J'ai des mémoires hein, de décollage tardif sur le golfe Persique et on voyait bien les loupiotes.
Au moins sur le Stennis. Mercat, Wallaby toujours accroché par les 29. De Warpig, vous partisans est dessus. Copie. Par contre, ce qui est génial, Mais il est pas bien. ce qui est génial en raid quand tu montes, c'est que tu peux foutre les gaz à fond et tu dépasses pas la température max. La V8? Ouais. Ouais, c'est en fait comme il fait plus frais. D'accord. Par contre, faut penser que du coup, que si tu piques, faut penser à réduire les gaz. Tu vois, là, je suis à 1090 en RPM et je suis à 560 en JPT. Alors c'est con, je crois qu'il n'y a pas de mapping sur le 25T pour larguer que les bidons. Contrôle Z de mémoire. Non, non, ça largue tout, donc j'ai pas envie de larguer mes armements, faut que je largue juste les bidons. On va vérifier dans les commandes, mais de mémoire, c'est con. Je crois que. Moi, enfin, je sais que sur le F15, par exemple, moi je fais Contrôle Z et ça largue d'abord les bidons. D'accord. Enfin, à l'époque où je jouais au F15. Il y a Weapons Jettison, il s'appelle, mais il n'y a pas Fuel Jettison. Ah si, Jettison Fuel Tanks, super. C'est quoi du coup? L Alt R. Ah non, c'est peut-être Ça doit pour être. cracher du fuel par Ouais. l'arrière. Parce que ça me rappelle quelque chose sur raccourci. Tant pis. Alors, deux flappies, j'ai du SA-19. Ouais, et du 125, je crois. J'ai un 29 ROWR, hein, Ok, ouais, je crois que moi aussi. 29 dans le secteur, je pense à 10 ORWR. Copie. Ah, je le disais aussi pour les autres du coup. Flappy, au fait, les artistes sont traités. Ok, très bien, merci. RTB. Mais toujours un spot 29 dans les 6.
Spike 29. Je suis accroché 29. Ok, le harrier, je suis accroché 29. Je refonce plein nord. À ce point-là? Bah, je sais pas, j'ai accroché 29. Enfin, il m'a looké à un moment donné, donc. Relooké 29. Je le mets dans mes 6. Attends, je vais bientôt plus voir le sol, ça va être dur d'éviter les missiles. Plus de spike que 29 de mon côté. Ok. Ouais, moi ça va, j'ai plus que les spikes de la base ennemie en face de moi. Qu'il va falloir que j'évite. Parce que j'ai pas de montagne devant moi, j'ai rien. 1004 de Wallaby, clean pour le 29. Ouais, le 29 a été abattu de Warby. Ok, bien reçu. Bien joué, merci. Ah, c'est Vogue et Nif qui l'ont eu. Eh bien, merci au Conchita. Entre Conchita. Et Warpick pour imposer à MyCop. Je me présente. Clapy bientôt à portée de tir sur Sukumi. J'ai déjà battu un truc, je pense. Ah, pas sûr. Encore trois losanges. Je suis loin de Tsukumi, je pourrais pas te dire, je suis juste au-dessus de Sochi. Je viens de me faire allumer par deux MI-28 au-dessus de Sochi. Ah ouais? Ah mais moi j'ai rien, j'ai mis pas de canon. Ah, c'est trop sale. Les mirages, il y a deux MI-28 qui sont Là au-dessus de dessus. Sochi. Ils viennent de dégommer un K-50.
1 qui est à 50, le qui est à 50. Oui. Bon, problème, c'est que là, je pense que vu la tranche du terrain, les 2000 iront pas au sol comme la nuit arrive. Bon, de Flappy, j'ai réussi à descendre le S-125 et le Tunguska, c'est une très bonne nouvelle, sans me faire tirer dessus, ça c'est cool. Ok. Ah si, ils m'ont tiré dessus, mais j'ai réussi à éviter un missile. Ah, je rappelle plus que Tsukumi c'était si près. Alors... Ah oui, forcément. Les Wallabies en approche, point d'atterrissage sur Mike Kopf. Warpig, MyCop, la piste est claire, dégagée. Et Flappy, plus aucune menace radar sur Soumis, je rentre. Ok. Ouais, je te vois avec ton beau panache fumé. Il y a 4 SU-24 sur Tsukumi. Oh mais là je vois plus rien, donc Non, non, mais est-ce que pas tout. alors j'ai le choix, soit j'ai les 4 SU-24 à détruire, j'ai que 4 GBU, hein. Soit j'ai des Voilà petites, B1 pour l'active en file plus courte. soit j'ai des unités c'est des strels. J'essaie de les retrouver. Elle était où? Elle était là. Soit j'ai du petit Strela au USA. J'arrive pas à voir de. Ah non, ça, ouais, ou du BTR. Je pense que je vais faire les SU-24. C'est plus stratégiquement plus important. Ouais, d'accord. De quoi? Alors, on est d'accord que c'est plus stratégiquement c'est plus important de faire les 24, les 24. Bah, il y a également du MI-8, a priori, mais
Moulabi 1, piste dégagée. Par contre, je pense que j'irai atterrir sur mes copes après. Que je ne vois pas atterrir de nuit sur un Tarawa. Bon, bah, je confirme, les pistes sont pas éclairées. Hein. Il faudra que j'essaye dans la bêta. On a tous désolé, hein, je pensais pas que mission durerait aussi longtemps. Du coup, comme le bug des pistes non éclairées n'est pas résolu, il va falloir se poser dans le noir. Vive les NVG. Elles sont moins bien qu'avant. Hein. Avant. Ouais, c'est suffisant. Ah oui, je suis d'accord, mais. T'aurais tellement en avoir en 2000. User left your channel. Ok, 1 sur 24 de détruit. Ok, deuxième bombe larguée sur un autre SU-24. Cible détruite.
Comment tu les as trouvés d'ailleurs, les artilleries, finalement? Grâce à vous. Merde, il y en avait que trois. User joined your channel. User left your channel. Bon, bah y en a un, je sais pas où il est passé, je vois plus. Apparemment qu'il y a de la troupe au sol sur Tsukumi. Allez, je lag des dernières GBU et puis après je me tire. J'ai un pic MiG-29 au-dessus de Tsukumi. Ok, je me tire. Je me tire de Tsukumi. Ben je suis mort. Abattu. Enfin, j'ai été abattu. Salut messieurs. Faites gaffe, je viens d'être abattu au-dessus de Tsukumi par des MiG-29. Ok, ça marche. Merci pour l'info. D'ailleurs, je pense que je vais m'arrêter là vu l'heure. Allez, je m'éclipse aussi. Bonne nuit tout le monde. Et merci pour l'émission. Salut, ciao. User disconnected from your channel. Et aussi bonne nuit. Tout le monde. Salut Kilou. Salut Kilou. Salut Galé aussi. Salut. Salut Vegar. À bientôt. Salut. Je ramène tout le monde. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Bon messieurs les 2000, il reste encore 2029 au-dessus de Tsukumi. Hein. Ah moi j'ai enlevé la combi là, ça y est. Oui, non mais je me doute bien. vu l'heure qu'il est, de toute façon. Vu qu'on n'a pas droit à l'éclairage sur la piste. Oui. Ah ouais, ouais, moi je vois que dalle là, comment tu veux que je me pose? Tu vas plier la Fox 2. Partisan, il lâche pas l'affaire. Tu fais quoi, partisan? Ah, t'es sur les. Non, les je crois pas. Pense. Ah, il s'est fait abattre à l'île par l'île. C'est vrai? Ouais, mais on voit rien. Hein. Oh la mitrailleuse. Oh putain, la honte. C'est quoi, c'est un Mi-8? Bah je sais pas. Je crois que c'était des Mi-28. Tu t'es fait descendre par une brouette géante. Oh putain, j'ai un freeze, je vais me... Bah voilà. Et si tu veux, je suis un peu dans le noir complet. J'ai tiré mon Magic au moment où j'avais le double cercle. Et bah... L'autre en face, j'ai vu des traçantes rouges arriver, bim, plein de poire. Oh, partisan, faudra que tu retires les restrictions liées à l'attaque view. Il y en a pas. Il y a un décalage de 10 minutes.
Je sais pas si tu peux l'enlever ça ainsi. Oui. Décalage de 10 minutes pour. Par mesure de sécurité. Du coup, il fait quoi? Il te libère ton fichier 10 minutes après ta déco? Non, il t'emmerde profondément et tu n'auras pas les 10 dernières minutes. En fait, il décale, il rajoute un blanc de 10 minutes au début. Oh, sérieux? Et t'es obligé de rester 10 minutes de plus. D'accord, oh, parce que là, j'ai même pas le fichier entier, là, j'ai qu'un fichier de 200 kilos tout pourri. Croire qu'il l'a pas pris. Pour éviter que les mecs qui ont la version pro là, ils en temps réel. Enfin, sur Blue Flag, c'est encore pire. Blue Flag, il y a rien du tout. Tu vois rien du tout. Juste ce que fait ton appareil. D'accord. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que la nuit est vraiment plus sombre que avant la 2.5. Hein. Ouais. Bah après, ça dépend si on est là, il y a pas. Tu vois pas. Il y a pas de lune. Non, il y a pas de lune. Ouais, donc là, ça va être noir de chez noir. C'est pas un temps à mettre la lumière dehors. Du coup, j'ai même pas fait gaffe, je l'ai battu. Ouais, moi j'ai passé au-dessus de make-up et je m'éjectais, je crois, parce que. Ah bah, moi j'ai été. Oh, t'es encore loin, Flappy, hein. Ah ouais, je vois, mais. Cap 358, il te reste 4 termes de vie. Merci, mais j'y suis pas là. Sinon, il faut que tu ailles plein nord. Hein. Cap 0.